السلام عليكم، في الشرفي، صباح الخير. ماشي، الشرفي toujours en train de se connecter. Bonjour tout le monde. صباح Oui, النور. bonjour Salawi. Comment allez-vous? Bonjour سيروسي. Ça va, الحمد لله. Et vous؟ الله يبارك فيك. وخلاص سي شرفي ne nous entend pas وخلاص. Mazal Ando, il est toujours en cours de connexion. Et l'audio. D'accord. Et par rapport à l'audio, D'accord. on le voit en visuel. Si je fais, on ne vous entend pas. J'active le micro. Soubah el khair. اسمح لي سي روسي معايا، شكون سي اشرف؟ اشرف معك بجوج معك. احنا مرحبا سي بجوج اشرف، معك. معايا واحد سمير الله يرضى عليك. بيان سور، خذ راحتك. On connaît bien. جالي سي دريس دريف ما معناش هذا الصباح. لا راني كاين. صباح الخير سي اشرف، صباح صباح الخير. النور. صافا الله يبارك فيك، نهار كبير هذا. ديزاكتيفي لو صور ديال سي، ديزاكتيفي لو صور ديال سي الشرفي، بان راكي تسمع في الفيسبوك. سي الشرفي ديزاكتيفي الميكرو، كاين انا وياك نعم وشوف انا طالع. سي دريس من عندك اللي جاي. طب ماشي، من عندي انا. طيب انا Bonjour Facebook. Alors nous allons attendre quelques minutes le temps que... Tant que les gens se connectent. سي أشرف، كيبان عندك لا بريزونطاسيون. Oui. Est-ce qu'on passe en mode plein écran par la suite? واخا توت ابري. ولكن ما تجيش.
T'as dit chez Julien. Grand bonjour aux gens qui nous suivent directement sur J'ai pas Zoom. fait avec Maya Cédric. Non. Oui, c'est sorti. C'est bon, c'est bon. Attends, C'est bon? chauffeur. Oh, ouais. Ah, d'accord. C'est bon, donc ici je l'aurai le café. C'est bon, le chauffeur. C'est Ashraf? Oui. Peut-être que Miradine, c'est la présentation. Inch'Allah. Radine, dire le pause de 5 minutes. Inch'Allah, d'accord. Je vais vous donner les cas pratiques. Très bien. Oh, mine salut les cas pratiques. Mine salut les cas pratiques. On va dire encore une petite pause de 5 minutes, je vais vous donner les questions-réponses. Très bien, Inch'Allah. Donc, la première pause de 5 minutes pour préparer le cas pratique, il y a un cas pratique à présenter. À présenter, très bien, très bien. Voilà, une fois qu'on termine le cas pratique, on fait une petite pause de 5 minutes. La prière, et Oui. on Et on reprend reprend après. pour les questions-réponses. Elle qui m'a goûté les questions-réponses, Kamel Ada, Seul. l'aspect fiscal, les questions politiques ou la COVID, ou je ne suis pas tellement spécialiste dans le domaine. Donc, d'aller j'ouvre les questions, les vraiment dites à Dans le vif du sujet. Très bien. Voilà. C'est exact. Voilà, c'est Ça à faire. sera fait. Ça sera fait avec grand plaisir. Voilà. D'ailleurs, Donc, c'est surfait, je vais en avec. profiter, même si on a une grande audience qui nous écoute. Je vous passe le bonjour de quelqu'un qui a été votre élève en 77. Ah, d'accord. Je compte. En fait, c'est le Walid Diali. Ah, tu vois, سبحان الله وسلم لي عليه بزاف مسكين مبلغ مبلغ. وكيس كيل دوفيا ماتنون Et كيس il est كيل à la فيه اون retraite. ريتريت En retraite, ريتريت oui. En دونك retraite, tout à fait. ما تتباعش معنا دابا Ma عرفتش واش يكون دابا وخير داخل ولا حاول لا. قول له يشوف اي صلة الرحم معنا الله يخليك ضروري وي ضروري. En وي tous les وقع cas, في 5 مينيت le dernier séminaire, شافه. هذا اه je ne تري sais بيان pas. تري بيان تري بيان Je vais partager le lien avec lui tout de وشوف suite. لي العرض هيك تدبع وتاني صار كل شيء Donc, مرحبا بالناس اللي متبعين معنا دوبي فيسبوك و دوبي زوم. Le club des dirigeants est fier de continuer son cycle de formation et de conférences avec les jeudis de l'expert. Aujourd'hui encore avec professeur Sharfi Mohamed, expert comptable et commissaire aux comptes. Nous allons traiter de la thématique des avantages fiscaux accordés au secteur des exportations. مرحبا بكم معنا encore une fois. Professeur Sharfi va faire une présentation dans un premier temps, suite à quoi nous allons prendre 5 minutes de pause avant de passer Au cas pratique. au cas pratique. Ensuite. Ensuite, après le cas pratique, nous prendrons encore 5 minutes de pause, pause café. Avant de passer aux questions-réponses que Dr. Sharfi aura le plaisir de répondre. Inch'Allah, bihawlillah. On peut commencer, non? Comme vous voulez, on est 65 sur Facebook à toi, que là, pour j'ai dû les l'instant. partager. Oui. Voilà, c'est le can de la vie, bachin Aziz Ali Assid de la CNRF, l'avenir, pas d'une chose pour le tarif.
Bien sûr. Et on est alors 34 sur Zoom. Alors pour les gens qui sont sur Facebook, je prendrai vos questions alors par écrit. Par contre, les gens qui sont avec nous directement sur Zoom, vous avez le volet questions-réponses QR sur vos écrans si vous voulez poser des questions. Et puis, vous pouvez aussi lever la main. Je donnerai la main, bien sûr, à toute personne qui souhaiterait poser une question orale. Voilà. On est le jeudi 7 mai 2020, toujours en confinement. Oui. Merci beaucoup. Merci, Sirdel. Merci. Donc, nous sommes le CDD, le Club des dirigeants Maroc, est en direct aujourd'hui, le 7 mai, avec professeur Shafi Mohamed, pour présenter les avantages fiscaux accordés à certains secteurs d'activité, notamment ceux destinés à l'exportation. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes. On peut commencer, il y a un Bien sûr. webinaire Bien sûr. à 14h. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré de nous retrouver de nouveau aujourd'hui en vue d'échanger sur le thème, toujours dans les avantages accordés à certains secteurs d'activité, notamment les sociétés qui ont le statut de cessé. Pardon. Oh là là, ça va me déranger. Qui ont le statut de CFC, les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle, anciennement dénommées zones franches d'exportation, les sociétés, l'agence Méditerranée, l'agence Med, Tanger Med, les sociétés d'externalisation de services et les entreprises minières exportatrices. Donc, on va commencer par les sociétés qui ont le label financier a été institué dans la C'est loi chauffé. 44-10. Oui. On a quelques coupures au niveau du son. Ah bon? Là, c'est mieux. Moi, j'ai. C'est C'est bon? bon. Donc, peut-être un problème. Merci, Mohamed. En principe, j'ai tout arrêté. C'est bon, c'est Vous bon. Là, c'est bon. m'entendez? Là, C'est sur Strafe? c'est plus stable. Merci beaucoup. Très bien. Donc, le CFC, le Casa Financité, a été institué par la loi 44-10 le 13 décembre 2010. Alors, en matière d'IS, j'ai parcouru un peu les articles du Code général des impôts. Donc, ma référence, c'est le Code général des impôts parce que l'article 163 prévoit que toute disposition fiscale doit être prévue par le Code général des impôts. Donc, je me suis basé uniquement sur le Code général des impôts. Abstraction faite des lois CFC et des lois zones d'accélération industrielle. Comme d'habitude, je fais un petit parcours d'historique.
ou bien les références légales des articles qui régissent aussi bien les CFC que les zones d'accélération industrielle. Donc, alors la loi 44-10 relative au statut de CASA Financité a prévu la création d'une grande place financière à CASA, dénommée CASA Financité, CFC, ouverte à des entreprises financières ou non financières exerçant des activités aussi bien sur le plan régional que international. Les entreprises financières sont les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les sociétés de courtage et les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d'actifs. Les entreprises non financières sont celles qui fournissent des services professionnels et les sièges régionaux internationaux des sociétés non résidentes. Le siège régional ou international est toute entreprise morale qui assure une activité de supervision et de coordination des activités d'entreprise exercées dans un ou plusieurs pays étrangers, y compris les institutions réalisant des prestations de services pour le compte d'autres entités de leur groupe. On va commencer donc par les sociétés ayant le label CFC, les avantages fiscaux prévus au Code général des impôts accordés au secteur, aux sociétés de services ayant le statut de CFC en matière d'impôts sur les sociétés. La loi de finances 2020 a modifié le régime. Donc on va voir en premier lieu l'ancien régime qui est toujours en vigueur, qui est toujours applicable pour les sociétés implantées avant le 1er janvier, qui ont le label avant le 1er janvier 2020. Et on va voir par la suite le nouveau régime d'imposition applicable aux sociétés qui auront le statut CFC à compter du 1er janvier 2020. Donc, on va commencer par le rappel du régime antérieur applicable avant le 1er janvier 2020. L'article 1er de la loi 44-10 relative au statut de CFC a créé donc la grande place financière à CASA, dénommée CASA Financité CFC. Sur la base de cet 44-10 et pour attirer des investisseurs et des capitaux étrangers à s'installer dans cette grande place ou à opérer à partir de celle-ci, un régime fiscal dérogatoire a été institué par la loi de finances 2011 en faveur de ces sociétés. Donc, les sociétés ayant le statut CFC le 1er janvier 2020 bénéficient au titre du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et au titre des plus-values mobilières nettes de sources étrangères de l'exonération totale, qui dit totale, IS et cotisation minimale, pendant les 5 premières années à compter de l'exercice ou de l'année d'octroi du statut CFC. Cette exonération, donc, n'est applicable qu'au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. En conséquence, le chiffre d'affaires réalisé localement est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire au barème 10, 20, 30, 10, bon, pour l'exercice 2019, 10, 17, 50, 31, et pour 2020, à partir de 2020, on va passer le nouveau taux, c'est-à-dire 10, 20 et 31. 10, 20 et 31. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires local. Pour le chiffre d'affaires export, il bénéficie de l'exonération pendant 5 ans, exonération totale. Au-delà de 5 ans, c'est-à-dire à compter de la sixième année, du sixième exercice, le
taux de l'impôt est de 8,75%, 8,75% applicable aux résultats afférents au chiffre d'affaires export avec les plus-values mobilières. Quant au chiffre d'affaires local, il reste toujours soumis au taux du barème, 10 à 31%. Donc cette imposition au taux réduit de 8,75% est applicable d'une manière permanente, sans limitation de durée. La loi n'avait pas prévu de période transitoire. Donc les sociétés implantées avant, qui ont eu le statut CFC avant le 1er janvier 2020 vont continuer de bénéficier d'une aire permanente du taux réduit de 8,75 à compter de leur sixième exercice qui suit les cinq exercices d'exonération totale. Quant à la retenue à la source sur distribution de dividendes, c'est le régime de droit commun qui est applicable, c'est-à-dire les sociétés ayant le statut de CFC qui distribuent le dividende et sont soumises au régime de droit commun, c'est-à-dire les sociétés soumises résidentes au Maroc, déclinant leur identité par un identifiant fiscal à l'IS, sont exonérées de leur retenue à la source. Quant aux autres personnes physiques ou morales, qui n'ont pas bien sûr les sociétés morales, même s'ils sont soumis à l'IS n'ayant pas décliné leur identité, ils vont supporter le taux de 15%. Quant aux personnes physiques ou morales non résidentes, on applique le taux de la convention qui prime sur le droit interne. Donc on applique le taux de la convention, à défaut, c'est le taux de 15% qui est applicable. Pour le nouveau régime applicable, le nouveau régime d'imposition applicable à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de la loi de finances 2020 ont institué un nouveau régime fiscal applicable au résultat fiscal des sociétés de services, ainsi qu'aux dividendes distribués par les dites sociétés. Ces sociétés qui auront cessé à compter du 1er janvier 2020 vont bénéficier de l'exonération quinquennale qui commence à courir à compter du premier exercice d'octroi du statut CFC, à la star de ce qui était prévu avant le 1er janvier 2020. Donc cette exonération totale de 5 ans est maintenu. Quant à la sixième année et au-delà, le taux a changé, modifié. Il est passé de 8,75 à 15%. Seulement, les 8,75% ne s'appliquaient qu'au résultat fiscal afférent au chiffre d'affaires export. Alors que le taux de 15%, il est applicable sur l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par la société CFC, aussi bien le chiffre d'affaires local que le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Il en est de même pour l'exonération totale. Totale avant 2020 ne concernait que le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, alors que l'exonération totale telle que modifiée par la loi de finances 2020 concerne l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société CFC, aussi bien le chiffre d'affaires local que le chiffre d'affaires export. Donc, à compter de 2020, lorsqu'on va appliquer le nouveau régime, on ne parle plus de chiffre d'affaires export. Donc, on parle de chiffre d'affaires global. Résultat global fois 0% pour les cinq premiers exercices. Résultat global fois 15% au-delà, c'est-à-dire à compter de la sixième année. Autre nouvelle mesure, la loi de finances 2020 a institué une exonération permanente en matière d'IS ou d'IR, retenue à la source, taux de 15%, donc il passe à 0% aux résidents que les non-résidents.
Alors, qu'en est-il des sociétés implantées qui ont la versée avant le 1er janvier 2020? Les sociétés qui statut CFC avant le 1er janvier 2020 et qui n'ont pas encore épuisé la période quinquennale d'exonération, on dispose de deux possibilités. Soit continuer à bénéficier de l'ancien régime, parce que la loi n'avait pas prévu de période transitoire. Donc, ils peuvent continuer jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de limite de temps. Dans ce cas, cette société a le droit de continuer de bénéficier aussi bien de l'exonération de l'IS pour la période restante, c'est-à-dire si elle a par exemple 2 ans, elle peut continuer à avoir l'exonération de 3 ans pour atteindre 5 ans, suivi d'une application d'un taux réduit spécifique de 8,75% au-delà de cette période. Ça, c'est l'ancien régime. A institué en faveur de ces sociétés ayant le statut avant le 1er janvier 2020 la possibilité d'opter de manière irrévocable pour le nouveau régime fiscal. Donc, ces sociétés qui existent avant le 1er janvier 2020 peuvent soit continuer dans l'ancien régime, soit opter pour le nouveau régime. Lorsqu'ils vont opter pour le nouveau régime, l'option est dite irrévocable. Ils ne peuvent pas revenir à l'ancien régime. Dans ce cas, la société a le droit de continuer de bénéficier de l'exonération d'IS pour la période restante de l'exonération quinquennale, suivi de l'application d'un taux réduit spécifique de 15% au-delà. Cette exonération et imposition au taux réduit s'appliquent aussi bien au chiffre d'affaires local qu'au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Quant aux sociétés qui ont déjà épuisé la période quinquennale d'exonération, ils ont deux possibilités, soit de continuer à bénéficier de l'ancien régime, c'est-à-dire de continuer de bénéficier du taux de réduit de 8,75, soit opter également de manière irrévocable pour le nouveau régime sans prétendre à une nouvelle période d'exonération quinquennale. Dans ce cas, en cas d'option de bénéficier de l'exonération quinquennale jusqu'au terme de 5 ans, aussi bien pour le chiffre d'affaires local que pour le chiffre d'affaires à l'export, suivi d'une imposition permanente au taux réduit spécifique de 15% applicable aussi bien sur le chiffre d'affaires local que sur le chiffre d'affaires export. Et ils vont bénéficier de l'exonération permanente en matière d'impôts retenus à la source sur les distributions de dividendes, aussi dans que les non-résidents. Donc, à titre de résumé, l'exonération avant 2020 s'appliquait uniquement au chiffre de valeur mobilière de source étrangère, alors qu'à compter de 2020, l'exonération s'applique sur l'ensemble des produits réalisés, local et export. La période est toujours de 5 ans. Avant 2020, imposition permanente au taux de 8,75 applicable sur le chiffre d'affaires export et plus-value, alors qu'à compter de 2020, l'imposition est passée à 15, mais concerne l'ensemble des produits local export. Donc, ces sociétés avant le statut avant 2020 passées au nouveau régime en optant, et l'option est irrévocable,
Et dans ce cas-là, ils vont bénéficier du nouveau régime intégralement, aussi bien pour continuer de bénéficier de l'exonération jusqu'au terme de 5 ans, et ça s'applique pour l'ensemble des produits, suivi d'une imposition permanente au taux de 15% applicable pour l'ensemble des produits, et ils vont bénéficier de l'exonération de la retenue à la source. Les sociétés qui ont souscrit, qui ont déposé l'option avec la déclaration de l'exercice 2019 vont bénéficier des nouvelles mesures instituées par la loi de finances 2020. Donc l'Assemblée générale qui va statuer sur les comptes, lorsqu'il va prévoir des distributions de dividendes, ils seront exonérés de retenue à la source, même ça concerne l'exercice 2019. Donc il suffit d'avoir déposé l'option accompagnée du bilan de la déclaration de résultat fiscal de l'exercice 2019 et automatiquement c'est le nouveau régime qui est applicable. Autre mesure prévue pour les sièges régionaux, internationaux et libéraux de représentation des sociétés non résidentes. Alors la loi de finances 2020 a supprimé l'ancien régime dérogatoire d'imposition soumettant au régime de droit commun. Et s'en suit donc qu'à compter de 1er janvier 2020, toutes les sociétés de services ayant le statut de CFC, y compris les sièges régionaux, internationaux, bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut de CFC, bénéficient du même régime unifié et unique prévu pour ces sociétés CFC. Concernant les sièges non et bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut CFC avant le 1er janvier 2020, ces sièges bénéficient directement du nouveau régime, à savoir l'imposition au taux spécifique de 15%. L'imposition au taux spécifique de 15%. Ils ne peuvent bénéficier de l'exonération quinquennale. Du moment qu'ils ont eu le statut CFC avant 2020, donc ils vont passer directement à l'imposition au taux prévu pour les sociétés CFC, c'est-à-dire 15%. Par contre, ils vont bénéficier de l'exonération de l'impôt retenu à la source au titre des débits distribués. Quant aux sièges régionaux, internationaux et bureaux de représentation qui ont eu le statut CFC à compter du 1er janvier 2020, donc c'est les nouveaux sièges, ces sièges vont bénéficier du nouveau régime, à savoir l'exonération quinquennale. L'exonération quinquennale pendant les 5 premiers exercices. Cette exonération avant le 1er janvier 2020 pour les sièges régionaux. Par contre, les nouveaux vont s'implanter à compter du 1er janvier 2020, vont donc bénéficier de l'exonération totale IS cotisation minimale au titre des 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d'octroi du statut CFC, suivi d'une imposition permanente au taux spécifique de 15% applicable pour l'ensemble des produits réalisés. Quant aux bénéfices distribués par ces sièges régionaux, transfert de bénéfices, l'application de l'exonération permanente de l'impôt retenu à la source, tel que prévu par l'article 6, grand 1, C, premièrement. Voilà pour matière d'hier. Quant aux avantages fiscaux accordés en matière d'impôts, notamment les revenus salariaux. L'article 73, grand 2, F, 9e, prévoit des avantages en faveur des salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut CFC. Avant le 1er janvier 2018, c'est les traitements et salaires bruts
versée à des salariés travaillant dans ces sociétés. Une période maximale de 5 ans à compter de la prise de la date de prise de la fonction au taux libératoire de 20%. Donc, il pouvait ici du taux de 20% du barème. La loi de finances 2018 a institué de nouvelles mesures prévoyant soit pour le taux de 20%, le taux libératoire de 20% applicable directement au montant brut sans aucune déduction ni aucun abattement pour une période de 5 ans à 10 ans. Le salarié CFC a le choix entre le taux libératoire de 20% applicable au montant brut pour une durée de 10 exercices de 10 années, soit dans les conditions de droit commun prévues à l'article 58, faire une demande d'option irrévocable à leur employeur et non pas au fisc. Il suffit de faire une demande d'option à son employeur pour l'option pour le régime de droit commun, c'est-à-dire le barème progressif. Et dans ce cas, il va bénéficier aussi bien des exonérations en matière d'indemnité et frais. Il va bénéficier forfaitaire de 20%, plafonné à 30 000. Il va bénéficier de la cotisation complémentaire. Il va bénéficier de la déduction des intérêts de logement habitation principale. Il va bénéficier de cotisations salariales, CNSS, AMO, mutuelle, retraite de base, et sur le salaire net qu'il va percevoir, le salaire net imposable, on applique le taux du barème progressif allant de 0 à 38%. Donc, c'est un calcul à faire au 1er janvier de chaque année. Toutefois, lorsqu'on opte pour le régime de droit commun, le barème, on n'a pas le droit de revenir au taux libératoire de 20%. Alors, quelle est la différence entre le taux libératoire et le taux de barème? C'est que le taux du barème n'est pas libératoire. C'est-à-dire, si vous avez d'autres revenus au barème, tels que la retraite, revenus professionnels s'il y a lieu, dans ce cas-là, vous avez l'obligation de regrouper, de faire le cumul de l'ensemble du revenu global qui sera soumis au barème et ensuite on déduit l'impôt retenu à la source sur salaire. Quant au taux de 20%, on l'applique sur le montant brut et il est libératoire, c'est-à-dire il ne sera pas cumulé avec les autres revenus soumis au barème. Autre avantage en matière de droit d'enregistrement. L'article 125, grand 4, et la loi de finances 2013 ont prévu l'exonération des droits d'enregistrement aux actes de constitution capitale. Donc, toutes ces mesures sont applicables depuis 2013 et ils n'ont pas subi de modification. La seule modification introduite par la loi de finances 2020, que lorsque vous avez des actes exonérés de droits d'enregistrement, vous avez l'obligation d'enregistrer ces actes à défaut, depuis 2018 d'ailleurs. À défaut, il y a la sanction prévue en matière de droits d'enregistrement. Cette sanction est de, lorsque la durée de dépôt est inférieure ou égale à 30 jours, elle est de 5% du montant de l'acte, c'est-à-dire le montant de l'augmentation 5 millions de dirhams, je vais payer 5%. Si le montant, l'acte est déposé au-delà de 30 jours, je vais supporter 10% du montant global de l'augmentation de capital ou de la constitution, bien que c'est exonéré. Autre de faveur, la loi, l'article 267 du Code général des impôts prévoit l'exonération sociale de solidarité sur les bénéfices qui concernent les exercices 2019 et 2020, exercice 2019
et 2020. Donc, ces sociétés de services ayant le statut CFC continuent toujours de bénéficier de l'exonération de la contribution sociale sur les bénéfices à la charge des autres sociétés. Voilà pour les sociétés ayant le statut de CFC. On va voir en deuxième lieu les entreprises implantées dans la zone d'accélération industrielle, anciennement dénommée zone franche d'exportation. Les zones franches d'exportation sont instituées par la loi 1994 du 26 janvier 1995. La loi de finances 2020 a modifié la dénomination qui devient zone d'accélération industrielle. Les références des textes, donc il y a des mesures prévues en matière d'IS, en matière d'IR, TVA, droit d'enregistrement, taxes professionnelles. Selon les dispositions de l'article 1er de la loi 1994 relative aux zones franches d'exportation, on entend par zone franche d'exportation des espaces déterminés du territoire douanier pour les activités industrielles et de services qui y sont liés, sont soustraites selon certaines conditions et limites à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et de change. De même, en vertu des dispositions de l'article 2 de la même loi, les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans les 10 zones. Ces activités bénéficient, en ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'ils génèrent, des avantages fiscaux prévus par le Code ainsi. En matière d'IS, alors, lorsqu'ils réalisent du chiffre d'affaires local, le résultat afférent à ce chiffre d'affaires local est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire c'est le barème progressif qui est applicable aussi bien pour l'exercice 2019 que 2020. Donc le taux de 2019, c'est 10, 17, 50 et 31 et le taux applicable à compter du 1er janvier 2020, 10, 20, 31. Bien sûr, ces sociétés qui ont le statut CFC, de zone franche d'exportation. Ils ont l'obligation de renseigner le tableau 15 de l'alias fiscal, soit de tenir une comptabilité séparée, c'est un peu difficile. Dans ce cas-là, ils vont dégager un résultat spécifique à chaque activité. À défaut, ils ont l'obligation de renseigner le tableau 15 de l'alias fiscal pour pouvoir bénéficier du prorata prévu pour le chiffre d'affaires export. Donc, le chiffre d'affaires réalisé localement est soumis au régime de droit commun 10 à 31%. Donc, je rappelle du régime de ces sociétés, des sociétés implantées dans les zones d'accélération industrielle avant le 1er janvier. Je vais parler du 1er janvier 2021. La loi de finances 2020 a modifié le régime d'imposition de ces sociétés en prévoyant la date d'effet au 1er janvier 2021. Donc, les exercices 2019 pour les entreprises qui n'ont pas encore arrêté leurs exercices comptables. Et l'exercice 2020 reste soumis à l'ancien régime, qui est de l'ancien régime prévu pour ces sociétés implantées dans la zone. Donne les gens totales de l'ISIR, mais uniquement au titre du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. L'exonération totale au titre du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Cette exonération est applicable pendant 5 premiers exercices
consécutif à compter du début d'exploitation. L'autre fois, j'avais défini le début d'exploitation. Je vous ai dit que le début d'exploitation, à ce jour, n'est pas défini par le Code général des impôts. Toutefois, la circulaire de l'année, je crois, 2018, qui avait modifié, qui avait clarifié plutôt le début d'exploitation par le premier acte d'achat ou de vente à l'exclusion des frais de constitution. Donc, l'exonération totale au titre du chiffre d'affaires export est suivie d'une imposition temporaire pendant 20 ans, 20 exercices consécutifs. Ce taux est applicable, le taux applicable est en matière d'IS et de 8,75%, à l'instar de ce qui est prévu pour les sociétés CFC. Mais cette fois-ci, le taux de 8,75 n'est applicable qu'au titre du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Quant à l'IR, on va voir tout à l'heure, il vaut mieux qu'on en parle dès maintenant, il y a l'exonération totale également de l'IR au titre du chiffre d'affaires export, suivi d'un abattement de 80% de l'impôt sur le revenu calculé au taux du barème. Donc, on calcule le résultat global fois le barème, et une fois qu'on défalque la quote-part de l'IR afférent à l'export, on le réduit de 80% et on ne paie que 20%. Au-delà de la période de 20 exercices, donc on a déjà épuisé 5 ans, 5 exercices, 5 premiers exercices, suivi de 20 exercices, soit au total, on a déjà parcouru 25 exercices. Donc, à compter de la 26e année, nous allons automatiquement tomber sous le coup du nouveau régime d'imposition prévu par la loi de finances 2021, à savoir l'application d'un taux spécifique de 15% applicable au titre de l'ensemble des produits que le chiffre d'affaires exporte. En matière d'IS, le taux est de 20% non libératoire, applicable également à l'ensemble des produits réalisés par l'entreprise implantée dans la zone d'accélération industrielle. Voilà pour l'ancien régime. Quant aux entreprises qui vont s'installer à compter du 1er janvier 2021, bénéficier de l'exonération totale de l'IS ou de l'IR pendant les 5 premiers exercices consécutifs, aussi bien au titre du chiffre d'affaires local qu'au chiffre d'affaires export entre l'ancien régime et le nouveau régime. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'option. Le législateur n'a pas institué la possibilité d'option pour le nouveau régime. Donc, les anciennes entreprises continuent toujours de bénéficier de l'ancien régime jusqu'au terme de 20 ans après l'exonération quinquennale. Toujours les entreprises installées à compter du 1er janvier 2021 vont être imposées à compter de la 6e année au taux permanent réduit de 15% en matière d'IS, aussi bien pour les produits export que les produits localement, réalisés localement. En matière d'IR, il y a le taux de 20% au lieu de l'abattement. Donc, la loi de finances 2020 a modifié le régime en instituant le taux de 20%, mais il n'est pas libératoire de faire l'objet de régularisation avec les autres résultats, revenus et éventuellement la cotisation minimale, etc. Donc, par comparaison entre l'ancien régime et le nouveau, l'exonération pour avant le 1er janvier 2021, les entreprises bénéficiaient uniquement de l'exonération au titre du chiffre d'affaires export, alors qu'à partir de 2021, pour les sociétés qui vont avoir le statut zone franche d'exportation à partir de 2021,
vont bénéficier de l'exonération totale ISIR au titre du chiffre d'affaires local et export. Quant aux sociétés, aux entreprises qui étaient implantées avant le 1er janvier 2021, ils continuaient de bénéficier des taux spécifiques de 8,75% pour l'IS et de l'abattement de 80% en matière de chiffre d'affaires export. Quant au chiffre d'affaires local, il reste soumis au régime de droit commun au taux du barème. Et à compter de la 26e année, ils vont bien sûr joindre le nouveau régime qui est de 15% pour l'ensemble du produit imposable et 20% en matière d'IR. Autre mesure prévue pour les entreprises, pour les sociétés alliées distributrices de dividendes. L'article 6 garantit, c'est premièrement, prévoit l'exonération de l'IS et l'article de l'IR également, 68 je crois, de l'IR, retenu à la source, au titre des produits, des actions, parts sociales et revenus assimilés, c'est-à-dire les dividendes, lorsqu'ils sont versés, mis à la disposition ou inscrits en compte, versés à des non-résidents, personnes physiques ou morales, provenant d'activités exercées par les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle. Alors, je vais faire un petit état comparatif. Alors, pour les associés résidents au Maroc, lorsqu'ils vont bénéficier des dividendes distribués par une société implantée dans la zone d'accélération industrielle, ces dividendes sont soumis à l'IS ou à l'IR selon le régime de droit commun, c'est-à-dire les sociétés soumises à l'IS ayant fourni l'attestation de propriété des titres comportant l'identification fiscale à l'IS à la société distributrice vont bénéficier de l'exonération totale de l'IS, de la retenue à la source, de l'IS retenue à la source. Quant aux autres personnes physiques ou morales, ils vont supporter l'impôt au taux de 15% libératoire. Voilà pour les associés, personnes physiques ou morales résidentes. Quant aux personnes physiques ou morales non résidentes, lorsque le dividende distribué par la société et résulte exclusivement de l'activité exercée à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle. Dans ce cas, l'article 6 et l'article 68 prévoient l'exonération de la retenue à la source, aussi bien pour les personnes physiques que morales non résidentes. Quant aux personnes résidentes, c'est le régime de droit commun qui est applicable. Lorsqu'il y a une activité mixte réalisée par la société implantée dans la zone d'accélération industrielle, le dividende distribué résulte aussi bien d'une activité exercée dans les zones d'accélération et une activité exercée en dehors de la zone. Pour l'activité exercée à l'intérieur de la zone, c'est l'ancien régime, c'est-à-dire c'est le régime de droit commun qui est appliqué. Soit exonéré, soit 15%, non résident exonéré. Quant aux bénéfices, quant aux sommes distribuées provenant d'activités exercées en dehors des zones d'accélération industrielle, et là, c'est le régime de droit commun, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales résidentes et seront imposables ou exonérées, suivant le cas, soit exonérées lorsque la société décline son identité par une attestation soumise à l'IS, soit 15%. Pour les résidents non résidents, le prévu par les conventions, à défaut, c'est le taux de droit commun qui est de 15%. Avantage accordé en matière d'impôt sur le revenu. C'est la même chose qu'on a vu en parallèle, c'est-à-dire bénéficier de l'exonération les entités soumises à l'IR. Implanté avant le 1er janvier 2021, il bénéficie de l'exonération
ce quinquennal à compter du début d'exploitation au titre du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation contre chiffre d'affaires réalisé à localement, le résultat correspondant est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire au taux du barème de 0 à 38%. L'exonération quinquennale est suivie de l'abattement de 80% jusqu'au terme de 20 ans, c'est-à-dire de la 6e année jusqu'à la 26e année. Et à compter de la 26e année, ils vont joindre les nouveaux, c'est-à-dire le taux sera de 1% non libératoire. Quant aux entreprises soumises à l'IR installées à compter du 1er janvier 2021, ils vont bénéficier de l'exonération quinquennale aussi bien au titre du chiffre d'affaires export que du chiffre d'affaires local et à compter de la 6e année, l'imposition permanente au taux spécifique de 20% non libératoire. En matière de TVA, l'article 92, 36e, prévoit l'exonération avec droit à déduction, c'est-à-dire le vendeur à ses entreprises implantées dans la zone bénéficie de l'exonération pour les ventes qui vont être réalisées à ces entreprises assimilées comme des exportations et automatiquement il bénéficie du droit à déduction et du remboursement. Donc l'article 92, 36e, stipule sont exonérés de la TVA avec droit à déduction et au remboursement. Les produits livrés, les prestations de services rendues aux zones franches, aux zones industrielles, ainsi que les opérations effectuées à l'intérieur ou en dehors des dites zones qui sont considérées en tant qu'opération exonérée de TVA avec droit à déduction et au remboursement. Ainsi, les entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle peuvent recevoir en exonération de TVA avec droit à déduction les services provenant du territoire assujetti et répondant à la notion d'exportation de services. Au sens des dispositions de l'article 92, grand 1, premièrement, entre parenthèses, on voit pour les entreprises exportatrices, on avait parlé qu'il s'agit d'un export indirect. L'export indirect, lorsque les entreprises implantées sur le territoire national vont réaliser des ventes avec les sociétés implantées, avec les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle, la loi de finances 2017 avait institué la notion d'export indirect en faisant bénéficier ces entreprises qui se trouvent sur le territoire national de l'exonération quinquennale, bien sûr, avant 2020, et suivie d'une imposition permanente au taux prévu pour des mesures d'export. Là, en matière de TVA, on ne parle pas d'export direct ou indirect. L'article de la loi prévoit l'exonération, c'est l'article 92, 36e. Seulement, cette exonération elle n'est pas soumise à formalité, mais il y a les formalités douanières pour lorsqu'il s'agit de produits livrés. Lorsqu'il s'agit de produits livrés, il y a les formalités douanières, c'est-à-dire le dossier d'exportation comportant la facture de vente, les bilans de devises, bien sûr, avec la déclaration d'exportation, la déclaration unique de marchandises, l'avis d'exportation, etc. Donc, c'est assimilé à un export direct, bien qu'il s'agisse d'un export indirect. En matière de TVA, la même chose. Quant au service, il y a un petit problème. Il faut faire attention. On va parler tout de suite du service. Au sens des dispositions de l'article 92, grand 1, premièrement du Code, non par prestation de service, les prestations de service réalisées dans le territoire assujetti, hors zone franche, et destinées à être exploitées ou utilisées à l'intérieur des zones d'accélération industrielle. Ce service, il bénéficie de l'exonération en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Et c'est l'export indirect. Voilà l'export indirect. Ainsi que les prestations de services portant sur des entrées dans la zone d'accélération industrielle de produits effectuées au compte d'entreprises établies dans les dites zones, tout en étant que prestataires de services. L'utilisation des dites prestations de services dans les zones d'accélération industrielle doit être justifiée par la production de la facture établie au nom du client
situés dans la zone franche d'exportation ou dans la zone d'accès industriel. Donc, il faut s'assurer vraiment de l'installation, de l'existence du siège de la société ou de l'entreprise implantée dans la zone. Donc, il faut s'assurer exactement de l'adresse et de l'existence de son siège social à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle. En même temps, on doit justifier par une pièce le règlement qui doit être effectué en devise. Alors, faites attention, les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle aiment beaucoup le devise. Si vous facturez en dirham, ils vont vous payer en dirham. Si vous facturez en devise, on va vous payer en devise. Alors, l'article 92, grand 1, 36e, ne prévoit pas le paiement en devise, mais la circulaire prévoit l'obligation de facturer et d'encaisser en devise. Donc, moi, je vous conseille de facturer en devise, de choisir votre devise, soit le dollar, soit l'euro, et vous serez payé par cette devise, parce qu'ils ont le droit de payer en dirham également. Donc, il faut faire attention, le bon de commande, dans le bon de livraison, la facturation, il faut qu'il soit fait en devise pour que vous soyez payé en devise et que vous n'aurez pas de problème avec le fisc le jour de la vérification. Les entreprises marocaines ou étrangères, il faut faire attention à cette mesure, les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones d'accélération industrielle, dans le cadre d'un chantier de travaux montage, sont soumises à l'IS ou à l'IR selon le régime de droit commun. Toutefois, l'article 92, grand 1, 36e, prévoit l'exonération même pour ces entreprises qui travaillent pour le compte, qui réalisent des travaux de construction ou d'opération avec des droits de déduction et au remboursement. Quant à l'IS, il y a de droit commun. En matière de droit d'enregistrement, l'article 129, grand 4, 5e du Code prévoit l'exonération des actes de constitution et d'augmentation du capital des sociétés implantées dans les zones d'accélération industrielle. Deuxième exonération prévue par le même article. L'exonération concerne les acquisitions par ces entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement. Vous savez que le terrain est soumis à 5% droit commun. La loi prévoit l'exonération en faveur de ces entreprises qui acquièrent un terrain qui sera affecté à la réalisation de leurs opérations d'investissement. En matière de fiscalité locale, l'article 6 de la loi 4706 prévoit l'exonération de la taxe professionnelle pendant une durée de 15 premiers exercices années consécutives. 15 premières années consécutives à compter de l'année de début d'exploitation. Alors, pourquoi j'ai dit année? Parce qu'en matière de fiscalité locale, on parle d'année civile. Donc, on compte l'année d'installation et au-delà. Donc, le nombre total des années d'exonération est de 15 ans à compter de l'année de début d'exploitation. Alors, j'ai relevé certaines zones franches. Pour la zone franche d'exportation de Tanger, c'est la première zone qui a été implantée à Tanger. Et puis, il y a également les zones franches dont Tanger, Med, Ksar, El Majaz, le Sawahed, Jouj, 1 et 2. Zone franche de l'Ayoun, zone franche de stockage des hydrocarbures de Nador, la zone franche d'exportation nouvellement instituée, et la future zone franche d'exportation de Sous-Massa est en cours de réalisation. Euh,
Les avantages prévus pour les sociétés implantées dans la zone d'accélération sont également étendus à l'agence spéciale Tangemet. L'agence spéciale Tangemet bénéficie de l'exonération permanente au matériel prévu par l'article 641A d'un cinquième au titre des revenus liés aux activités qu'ils exercent au nom et pour le compte de l'État. Donc l'agence Tangemet bénéficie de l'exonération totale lorsqu'il travaille pour le compte de l'État. Par contre, lorsqu'il ne travaille pas pour le compte de l'État, il bénéficie de l'exonération totale suivie d'une imposition permanente au taux prévu pour les zones d'accélération industrielle. Donc, la zone spéciale Tangemet ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des projets de la zone spéciale de Tangemet bénéficient donc de l'exonération quinquennale suivie d'une imposition permanente au taux prévu pour les zones de sociétés implantées dans la zone, c'est-à-dire avant 2020, 10, 1750, pour 2019 et en 2020-2021, 15% pour l'ensemble des chiffres d'affaires local et export. Il bénéficie également des exonérations en matière de droits d'enregistrement prévus pour la variation de la constitution et l'augmentation du capital et l'acquisition du terrain. Il pour les autres impôts, hier on avait dit qu'il bénéficie des mêmes mesures prévues pour les sociétés implantées dans la zone d'accélération industrielle. En matière de retenue à la source, idem, même régime que les sociétés implantées dans la zone d'accélération industrielle. Et en matière de TVA, l'article 92, grand 1, 37e, donc 36e pour les entreprises implantées dans la zone, 37e pour l'agence Tangemet, l'exonération avec droit à déduction et de remboursement de l'ensemble des activités réalisées par l'agence Tangemet. Taxe professionnelle idem, exonération 15 ans. Autre mesure prévue par l'article 10, grand 1 B du Code, le montant ou la valeur des dons octroyés à l'agence Tangemet par des personnes physiques ou morales constitue pour le donateur des charges déductibles totalité en matière d'IS et en matière d'IR. Quant à l'IR revenu salariaux, l'agence ainsi que les sociétés qui s'installent ou qui interviennent pour la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des zones restent soumises au régime de droit commun à l'IR dû au titre de revenus salariaux versés par elle. Donc c'est le régime de droit commun qui est applicable. Des zones franches prévoit des restitutions en matière d'IR à l'instar de ce qui est prévu pour l'offshoring. Je n'ai pas bien approfondi la matière, mais jusqu'à maintenant, en matière d'IR, c'est le régime droit commun. S'il y a des restitutions prévues par la loi, vous pouvez avoir recours à la loi spécifique. Les sociétés d'externalisation de services. Alors, il n'y a pas de changement au niveau de la loi de finances 2020. La loi de finances 2020 a maintenu l'exonération totale au titre des 5 premières exploitations et au-delà, ils vont être soumis au taux de 10 et 20. Quant à l'exercice 2019, s'il n'est pas encore arrêté, 10, 17, 50. Par contre, à compter de 2020, ils vont être soumis au taux de 10 et 20%. Lorsqu'ils vont atteindre, bien sûr, la durée, lorsqu'ils vont épuiser la durée d'exonération quinquennale. Quant aux entreprises minières exportatrices,
les entreprises minières exportatrices bénéficient des taux prévus à l'article 19, grand 1, grand A, c'est-à-dire en matière d'IS, 10 et 20%, et en matière d'IR, 20% non libératoire, au titre à compter de l'exercice de première opération d'exportation matérialisée. Donc, même dans l'ancienne loi, avant 2020, ils ne bénéficiaient pas de l'exonération quinquennale. Ils étaient soumis directement dès la première année d'exportation au taux prévu pour l'export. Donc, pour 2019, si ces entreprises n'ont pas encore arrêté leur bilan, ils n'ont pas encore souscrit leur déclaration, automatiquement, il faut, je le rappelle, que le taux est de 10,1750% applicable dès le premier exercice au titre duquel la première opération d'exportation a été réalisée, et en matière d'hier, 20% non libératoire. Bénéficie également des mêmes taux de 10 et 20 IS et 20% hier, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation. L'entreprise minière, lorsqu'ils ont le chiffre d'affaires local, c'est le régime de droit commun. Lorsqu'ils vont, ils ont chiffre d'affaires export, c'est le chiffre d'affaires, c'est le régime d'export qui est applicable. Voilà pour la première partie. Donc, on va juste faire une petite pause de 5 minutes, si vous permettez, et on passe au cas pratique qu'on va faire directement sur le site de la DGI pour vous montrer comment on souscrit la déclaration des entreprises exportatrices et en même temps comment calculer l'impôt de manière automatique. Et ensuite, on va faire une petite pause de 5 minutes, comme a dit Ashraf. Merci de votre attention. Ashraf? Oui, انا معاك سي الشرفي. مرحبا. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toute l'audience. Alors, comme prévu, nous allons... J'espère que je n'ai pas tardé cette fois-ci. Ah non, non, pas du tout. J'espère que je n'ai pas tardé. Il y a un autre webinaire. C'est pour ça que je dois prendre des petites pauses pour attaquer le deuxième qui est important. On a plus que aux alentours de 400 inscrits, donc participants. Donc je dois un peu me reposer. Bien sûr. Donc, Inch'Allah, on se retrouve dans 5 minutes. Merci. Inch'Allah, très bien. Merci, Monsieur Sharfi, pour toutes ces informations, pour la passion que vous avez pour le métier que vous faites. Nous allons prendre donc 5 minutes, le temps que Sheikh Sharfi se repose un petit peu et on reprend, Inch'Allah. Je vous invite à commencer à nous envoyer vos questions, parce que justement, Sheikh Sharfi, il a une autre réunion, une conférence à 14h, donc on aura un peu le temps limite. Donc autant avoir les questions en amont afin de pouvoir préparer la séance des questions-réponses. Je me permets aussi de rappeler à l'audience qu'à 14h débutera aussi un autre séminaire avec coach Sifdin Gherbaoui. On va traiter sur le mindset du fonceur. Donc, on va changer de registre pour l'après-midi, Inch'Allah, et j'espère vous voir assez nombreux parmi nous.
Déjà, est-ce qu'il y a des questions concernant cette première partie qui a été présentée par Monsieur Chorfi? Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez qu'on lui transmette avant qu'on lui transmette, pardon, avant de passer à la deuxième partie de la conférence? C'est Adib, je vois que vous levez la main. Est-ce que vous avez une question?
C'est Ashraf. C'est Ashraf. Oui, Ostali. Je suis avec vous. Tu as vu quelque chose en dehors de l'écran? L'écran de Kbein. Je n'ai fait nouveau tableau, non? Export. Qu'un tableau 15 liasse fiscale très bien, pour le très calcul bien, de l'impôt sur les on sociétés. Peut, on peut commencer? Bien sûr, à votre aise. J'espère que tout le monde est là. Je vais dire comme quand je Alors, nous reprenons cette deuxième partie avec M. Sharfi. L'étude d'un cas pratique. Les questions, on les laissera à la fin. Donc, après la présentation du cas pratique, on passera aux questions. Donc, la parole est à vous, M. Sharfi. Alors, avant de vous présenter le... Oui, merci. Le calcul de l'impôt, l'établissement de la déclaration, je tiens à vous rappeler le tableau qui prévoit le calcul de l'impôt pour les entreprises encouragées. Lorsque les entreprises encouragées ne tiennent pas de comptabilité analytique leur permettant de dégager le résultat comptable fiscal, pardon, bien sûr le résultat comptable et fiscal spécifique à chaque activité, automatiquement l'impôt auto-forfaitaire, c'est-à-dire d'après les prorata, d'après les pourcentages de chaque activité dans le total des produits. Donc, le tableau 15 de l'alias fiscal prévoit de renseigner le chiffre d'affaires imposable dans la première ligne. Donc, je mets le chiffre d'affaires imposable au taux du droit commun, c'est-à-dire en matière d'IS. Je vais parler uniquement de la loi de finances 2020 pour ne pas confondre les taux. Donc, pour le chiffre d'affaires imposable, donc en matière d'IS, par exemple, pour les entreprises implantées dans la zone d'accélération industrielle ou les entreprises exportatrices lorsqu'ils vendent localement, automatiquement, le taux est de 10 à 31%. Quant au chiffre d'affaires réalisé soit à l'export, soit bénéficiant des mesures d'encouragement, lorsqu'il est exonéré totalement, on le mentionne dans la liste de renseigner le chiffre d'affaires afférent à cette activité sur la ligne 3. Sur la ligne 3. 75, 20 pour le nouveau taux, 15%, etc. Sur la ligne 4, il faut enseigner le total des autres produits, si on peut les détailler, autres produits d'exploitation, produits financiers, subventions, etc. Donc, maintenant, je mets le total de ces produits dans la case 4. Donc, je peux ventiler et je mets le total. Et puis, la ligne 5, ça regroupe, on mentionne le total des lignes 1, 2, 3 et 4. Alors, une fois qu'après avoir renseigné ce tableau, on détermine les pourcentages, les prorata, les pourcentages de chaque activité par rapport au chiffre d'affaires au total des produits. Alors, je fais comme ça, je prends le chiffre d'affaires exonéré ou soumis au taux réduit et je le divise par la ligne 5. Donc, je prends soit la ligne 2, soit la ligne 3. Divisé par la ligne 5. Et je trouve, par exemple, 30%. 30%. Ça veut dire que 30% de mon activité est exonérée ou soumise au taux réduit. Du pourcentage, soit 70%, représente le chiffre d'affaires imposable au taux du droit commun, les autres produits imposables au taux du droit commun. Donc, je dois, une fois ayant dégagé les quotes-parts, les prorata, je dois m'assurer que le total est de 100% ou égal à l'unité 1. Si je mets 0,3, automatiquement, je dois trouver dans les produits imposables 0. Donc, voilà, c'est la première des choses. Donc, il faut tout d'abord renseigner ce tableau et dégager les quotes-parts de chaque activité et ensuite.
donc je fais appel à Google. Bien sûr, je vais directement dans le site de la direction générale. Je ne sais pas si... si Ashraf, vous voyez quelque chose ça fait, sur l'écran on a quelques coupures sonores. Je vous partage. Voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Nous avons toujours la présentation. C'est toujours le même document que tout à l'heure. Là, oui. C'est bon. C'est le site de la DGI. Voilà, le site de la DGI. Donc, je vais directement dans TéléXM. Voilà, je suis débutant comme vous. Je n'ai pas beaucoup pratiqué. Donc, les services simples, voilà. Et espace professionnel. C'est bon, M. Astra? Voilà, espace professionnel. Ensuite, simple. Simple, yes. Voilà. Accéder au simple IS. Et là, je ne vais pas mettre mon login et mon passe. Je vais mettre assistant déclaration fiscale, déclaration et versement. C'est un brouillon. Donc, je laisse qu'il... donc, je ne vais pas mettre mon le login et le passe. Je ne vais pas le mettre, me contenter de l'assistant de déclaration et versement. C'est bon, M. Ashraf? Oui, c'est bon. Assistant, déclaration et versement. Donc, même le chef d'entreprise peut calculer son impôt à l'aide de ce système. Alors ensuite, j'ai sur déclaration, résultat fiscal, Elias. Résultat fiscal, Elias. Voilà. Il me fait sortir la déclaration de résultat fiscal. Donc je renseigne l'exercice, soit 2019, soit 2020. Donc on va commencer par 2019, ration. Créer une déclaration. Voilà. Je ne vais ni mettre l'identifiant ni rien. Je vais directement renseigner. Alors, nature de l'activité. Activité normale, cessation d'activité, liquidation. Donc, moi, je vais directement à l'activité normale. Exercice. Ah! Ça, c'est pour le résultat courant hors amortissement cette année. Ce n'est pas la peine de perdre de temps. L'obligation de renseigner les résultats courants hors amortissement des deux derniers exercices plus l'exercice en cours. Donc, 2000, par exemple, 17, 18 et 19. Bon. Je vais garder zéro, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Alors, je vais l'exonération de la coûte, je vais mettre non, puisque j'ai des chiffres d'affaires locales. J'ai des chiffres d'affaires locales, donc je ne suis pas exonéré de la cotisation minimale. Hein? Passe à 36. Oui, automatiquement, là, c'est les 36 premiers mois, oui. Choisir une rubrique. Alors, chiffre d'affaires. Vous voyez, chiffre d'affaires. Choisir le taux de la cotisation minimale. Donc, je commence par la cotisation minimale. Alors, je vais commencer par imposable à 100%, c'est-à-dire les produits imposables à 100%. Le taux,
je vais choisir 0,5. Si mon résultat courant hors amortissement au titre de 3 années est de déficitaire, je vais choisir 0,6. 0,6. Voilà, 0,5. Le montant des produits. Alors, combien on avait mis de produits? Bon, j'ai prévu, allez-y, c'est Mohamed, 70 millions. Voilà, j'ai mis le chiffre d'affaires soumis à la retenue à source imposable. Voilà. Il va me donner le calcul de la cotisation minimale. Voilà, il m'a donné, pour ce chiffre d'affaires de 70 millions, il est imposable à 100%. Le montant de la cotisation est 350 000. Maintenant, je vais renseigner le chiffre d'affaires export qui est exonéré totalement. J'ai prévu qu'il y ait exonération totale de l'export, donc 100%. J'ai mis exonéré 100%. Le taux théorique est de 0,5%. Le montant des autres produits, j'ai mis 30 millions. Voilà. Donc, j'ai un total de produits 100 millions. La cotisation minimale, pourquoi il y a exonéré et 100 millions? Pas possible. Non. Ah, d'accord. C'est bon. C'est bon. Donc, il me donne toujours la même cotisation minimale qui est de la base de cotisation minimale qui est de 70 millions. Donc, il n'a pas pris en considération le chiffre d'affaires exonéré, du fait qu'il est exonéré, on a dit, totalement, aussi bien de l'IS que de la cotisation minimale. Et vous voyez que dans le site, ils ont prévu également l'exonération de la cotisation minimale. Donc, le montant de la cotisation minimale est de 350 000 pour un total des produits imposables de 100 millions, dont 70 millions export. Maintenant, je vais renseigner mon résultat fiscal. Voilà, j'ai calculé ma cotisation minimale. Je vais renseigner le résultat fiscal avant déficit de 3 millions. J'ai prévu 3 millions. Comme je n'ai pas de déficit antérieur, le résultat est toujours le même de 3 millions. 3 millions. Alors, une fois ayant renseigné le résultat, je prends ce résultat du tableau 3 de l'alias fiscal, c'est-à-dire le passage du résultat comptable au résultat fiscal, et je choisis le taux. Je choisis le taux. Alors, c'est taux, le taux, soit pour le chiffre les produits imposables, c'est le taux progressif normal. Vous voyez, taux progressif normal. Pour l'export, 0%. Elle est donc proportionnelle. Pour le taux de l'export plafonné, on va le voir tout à l'heure, elle est dans le progressif plafonné. Donc, je vais commencer par le produit imposable. Je mets progressif normal. Progressif normal. Et je lui donne les pourcentages de montant du chiffre d'affaires. Je vais commencer par, 70%. Combien on a mis de chiffre d'affaires export? 30. Et local, 70. Donc, 70%, c'est mon taux de mon pourcentage de chiffre d'affaires imposable, des produits imposables par rapport au produit, montant total des produits. Donc, je mets 70. Alors, il me donne le résultat, il me donne l'impôt afférent au produit imposable. Il me fait un rappel, il me dit, vous m'avez donné 3 millions de résultats fiscaux. J'applique 31% parce qu'il se trouve supérieur à 1 million. Il a mis 31%, donc le taux progressif normal. Il me dit, vous m'avez donné un pourcentage de ces produits imposables qui s'élève à 70%. Voilà le premier prorata, P1. Il me donne le montant de l'abattement parce qu'il a appliqué directement 31%. Automatiquement, lorsqu'on applique la méthode du calcul rapide, il y a une somme à déduire. Pour 31%, il est de 157 500. Et il me dit que le montant de l'impôt correspondant à 3 millions et à 70% du chiffre du produit imposable est de 540 750 dirhams. Voilà pour l'impôt afférent
au résultat, au chiffre d'affaires, au total des produits imposables. Maintenant, on va passer au chiffre d'affaires export. Au chiffre d'affaires export. Donc, alors comme mon export est de 0%, il est exonéré, je vais aller à proportionnel. Proportionnel, parce que le taux 0% est proportionnel. Voilà, je mets proportionnel, et il me donne les taux tous les taux proportionnels. Et le 0, il se trouve en bas, voilà, 0%, voilà. Et je lui donne le complément de mon prorata, comme mes produits imposables, le prorata est de 70%, automatiquement, le prorata de chiffre d'affaires export est de 30%. Et il me donne le calcul, bien sûr, il va me dire que votre impôt est 0, égal à 0. Il me fait un rappel, il m'a dit votre résultat fiscal est de 3 millions, le taux de l'IS est de 0%, proportionnel pour 30% des produits imposables. Réduction 0, soit un impôt 0, donc il maintient le montant initial de 540 750. Et bien sûr, il me fait par la suite la comparaison entre ce montant de l'IS et celui calculé au taux ci-dessus de la cotisation minimale, qui est de 350 000. Et on prend le montant le plus élevé, soit 540 000. C'est bon? Il y a d'autres choses à calculer? Non. Voilà, il me fait le petit calcul là, un petit calcul. Vous voyez, en bas, il me dit l'impôt est de 540 000, la cotisation minimale est de 350 000, soit un impôt de 540 000 dirhams, moins les acomptes, moins. Donc, il me donne toutes les imputations, tous les crédits d'impôt, les acomptes, réductions d'impôt, il les met après pour calculer soit un reliquat, soit un excédent. Voilà pour une entreprise qui bénéficie de l'exonération totale. On va passer à une entreprise qui bénéficie du taux réduit. Du taux réduit. On va maintenir les mêmes données, on va juste changer le prorata, je les maintiens également, mais je change de période, c'est-à-dire je suis au-delà de la sixième année. Je suis au-delà de la cinquième année, pardon. Donc, je suis à compter de la cinquième année. Et toujours pour l'exercice 2019, je vais maintenir les mêmes données. Donc, je vais calculer le taux du progressif ne va pas changer. Le produit imposable autoprogressif ne change pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste modifier. Je vais modifier le chiffre, le taux du chiffre d'affaires export. Alors, avant, il était exonéré, maintenant, il est devenu imposable. Et je vais cocher progressif plafonné. Vous voyez, progressif plafonné. Progressif plafonné. Et j'insère le calcul, la ligne. Voilà, il me donne le calcul. Voilà. Il me dit, votre résultat fiscal est de 3 millions. Le taux pour 2019 plafonné à 17,50. C'est un taux progressif plafonné pour le reliquat du pourcentage de produits imposables. Maintenant, c'est 30% pour l'export et un abattement de 22 500, et soit un impôt export 150 750, auquel il faut ajouter celui des produits imposables de 540 000, et on trouve un montant total de l'impôt de 691 500. Et il faut modifier quand même la cotisation minimale aussi. Il n'y a plus d'exonération. On va monter pour modifier la cotisation minimale parce qu'on avait mis exonéré en totalité. Donc, on va modifier aussi l'exonération par l'imposition, voilà, imposable. Et elle va m'imposer la totalité des produits à 0,5%, voilà. Donc, les 100 millions fois 0,5%, il me donne 500 000 que je compare à l'impôt calculé en bas de 691 000 et je prends le montant le plus élevé. Voilà pour les calculs. On va juste vous faire, pour ne pas perdre du temps, on va vous montrer comment faire pour l'exercice 2019 parce que déjà il y a des gens qui peuvent arrêter l'exercice 2020, soit dissolution, soit la liquidation en cette période de confinement. Donc on aura beaucoup de sociétés qui seront liquidées. Donc on va vous montrer en vitesse comment renseigner la déclaration et le calcul de l'impôt au titre de l'année de l'exercice 2020. On va changer d'exercice. Allez-y, Mohamed. Changer l'exercice comptable.
on va reprendre la déclaration pour changer l'exercice. Voilà, on va changer l'exercice et on va mettre 2020. Voilà. Voilà, j'ai mis l'exercice 1er janvier, bon, jusqu'au 31 décembre 2020, si vous mettez 30 juin, 30 juin. Et je crée ma déclaration initiale. Voilà, ma déclaration de 2020. Ben, je vais maintenir les mêmes éléments pour ne pas perdre du temps saisi. Je vais m'abstenir de renseigner les montants des résultats courants hors amortissement. Je vais prendre toujours. Alors, cette fois-ci, je commence par le produit imposable, bien sûr, toujours 70 millions. J'insère la ligne, il me donne toujours le même résultat, 350 000. Chiffre d'affaires, alors, en matière d'export, pour 2020, on va parler d'export. Donc, il n'y a plus d'exonération d'export 2020. Si je commence en 2020, je n'ai pas réalisé la première opération avant 2020, ben je serai soumis à la cotisation minimale. Je ne vais pas bénéficier de l'exonération. Donc, je vais m'abstenir de l'exonération. Par contre, pour les sociétés implantées dans les zones d'accélération industrielle, tant qu'ils n'ont pas épuisé l'exonération quinquennale, ils vont mentionner l'exonération quinquennale. Donc, je vais m'abstenir, je vais imposer la totalité en supposant que je suis à la sixième année. Donc, je vais mettre imposable en totalité pour ne pas perdre du temps. Et bien sûr, le taux est le même. Et voilà. Sauf pour 30 millions. Toujours. Les produits 100 millions. Ma cotisation minimale est de 500 000 puisque je ne bénéficie pas de l'exonération à partir de la sixième année, par exemple. Alors, je vais maintenir le même résultat fiscal, 3 millions. Voilà. 3 millions toujours. Alors, je commence par les produits imposables, donc taux progressif plafonné, normal, pardon. Et je maintiens toujours les 70% imposables de prorata. Et j'insère la ligne, il me donne le montant de tout à l'heure, c'est-à-dire 553 000. Alors, pour l'export qui bénéficie du taux plafonné, réduit 10 et 20. Maintenant, il va me donner 10 et 20. J'espère qu'il va donner ce taux. Je vais voir. 30%. Et voilà. Donc, il m'a donné le taux de 2020. Il me dit que votre résultat toujours fiscal est de 3 millions. Il dépasse 1 million. Donc, le taux est de 20, plafonné à 20. Donc, 10 et 20. Voilà, 20. C'est un taux progressif, mais plafonné à 20. Le pourcentage de l'export est de 30%, la somme à déduire est de 30 000 et l'impôt afférent à l'export est de 171 000, soit un impôt global de 724 000 à comparer à la cotisation minimale, 500 000 je crois, 500 000, et on prend le montant le plus élevé, le tableau récapitulatif. Voilà, le tableau récapitulatif. Il me dit votre impôt est de 724. La cotisation minimale est de 500 000. Le montant le plus élevé, c'est 724 000 dirhams. Voilà pour une petite démonstration. Donc, vous allez vous amuser. Si vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. Donc, on va reprendre juste dans 2 minutes le fait de faire la prière, 3 minutes, et on reprend les questions. Yes. Voilà. Merci, notre Cédric. Je vous laisse la parole pour voir la salle. Si mais là, on a l'exercice. On va prendre 5 minutes pour faire la prière et on reprend les questions. L'air d'aller que un autre webinaire. Bien sûr. Il ne faut pas tarder. Donc, 5 minutes. Merci. Merci, maître Sorfé, pour cet exemple si riche. Donc, nous reprenons dans 5 minutes le temps que Maître Sharfi fasse sa prière. Alors, nous allons en profiter aussi pour faire la prière pour ceux qui prient. On se retrouve dans 5 minutes exactement. Merci beaucoup.
أقبل الله. سلام الله. الله يتقبل. سي أشرف. وي. إن شاء الله. Alors, on reprend, cette fois-ci avec les questions à Maître Sharfi. Nous avons beaucoup de questions. J'espère que tous le sujet. Inch'Allah. Je ne peux pas répondre à des questions. Exactement. Là, j'ai essayé de sélectionner normal, que les questions qui sont en liaison avec, le, avec voilà, la thématique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Marhaba, marhaba. Alors, on commence, comment on procède? N'attaque les questions et vous répondez à votre aise ou là? On a une question par question. Je peux pas. Oui. Très bien. Donc, nous allons commencer par nos questions reçues sur Facebook. Oui. Donc, la première, alors, Fiska Aounout, une société exportatrice pour renforcer sa compétitivité veut fusionner avec une autre de même secteur. Quel est le traitement fiscal du cas de fusion, absorption, surtout hors sujet. Très bien. C'est le droit commun. L'article 162. Mais là, on va s'occuper des questions. Les zones d'accélération, CFC, voilà. Éventuellement, les sociétés d'externalisation aussi, pas de problème. Très bien. Donc, alors, une question pour les entreprises qui souhaitent s'installer dans les zones CFC. Est-ce qu'il y a une formalité particulière que doit accomplir l'entreprise lors de la démarche de création pour bénéficier des avantages fiscaux? Ou bien il suffit de suivre la procédure normale? Il y a le Google, il suffit de mettre la question à Google, il va vous répondre. Ben, il y a le site CFC, il y a toutes les formalités, c'est normal, il y a les formalités, il y a l'agrément, toute une procédure. Donc il faut se référer à la loi et bien sûr au site de CFC. Donc on ne prend en considération que les questions qui sont pratique, de l'ordre de la pratique et non réglementaire et tout ça. Voilà. Exact. Très bien. Okay. Alors. Surtout fiscal. J'ai une petite question, mais j'ai un doute. C'est à vous de voir. Pour les prestataires qui interviennent en freelance, pour le compte de société CFC, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux? Tant qu'il relève l'export indirect institué par la loi de finances 2017 est applicable uniquement pour les entreprises qui se trouvent hors territoire, hors zone d'accélération industrielle, c'est-à-dire qui se trouvent sur le reste du territoire national, qui réalisent des opérations avec les sociétés implantées, les entreprises implantées dans la zone d'accélération industrielle. Cet export direct est éligible aux mêmes avantages que l'export direct, aussi bien en matière d'IS qu'en matière d'IR revenus professionnels. Par contre, l'export indirect prévu pour les zones d'accélération industrielle qui vendent à des entreprises hors zone franche, c'est-à-dire ceux qui sont des territoires assujettis, là, la loi de finances 2020 a abrogé ce dispositif d'export indirect. Donc, puisqu'il a abrogé la notion d'exportation, automatiquement, les entreprises qui sont implantées dans la zone, lorsqu'ils vont vendre localement, à partir de 2021, ils seront imposables au taux de 15% pour l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé. Donc, finalement, on ne peut parler de l'export indirect que lorsque les entreprises implantées sur le territoire national qui vendent à des entreprises exportatrices, des entreprises exportatrices qui sont implantées dans les zones d'accélération et sous des conditions prévues par l'article 7. Il y a des conditions, il faut que le produit qui est vendu
à ces sociétés ou le service rendu doit être obligatoirement exporté. Et il faut qu'il y ait le régime suspensif en douane. Voilà pour cette question. Bien. Alors, une autre question de Monsieur Mohamed Ben Chibteh. Un bureau d'études installé au Maroc qui réalise une étude pour le compte d'une société installée dans une zone d'accélération industrielle bénéficiera-t-il de l'exonération en matière de TVA et d'IS au titre de ce chiffre d'affaires ou y a-t-il des exclusions? En matière de, je commence par la TVA. La TVA, l'article 92, grand 1, 36e, prévoit l'exonération sans formalité avec droit à déduction. Donc, en matière de TVA, si l'étude réalisée sera utilisée à l'intérieur de la zone d'accélération, est assimilée à un export, donc il bénéficie de l'exonération avec droit à déduction. Mais je vous ai conseillé de facturer et d'encaisser en devise. Non, de facturer et d'encaisser en devise. Quant à l'IS, puisque la loi de finances 2017 a institué la notion d'export indirect, si vraiment cette étude est faite pour la réalisation de l'exportation par la société d'accélération industrielle, je ne vois pas d'inconvénient d'exonération ou de taux réduit davantage. Mais c'est difficile de justifier que l'étude faite par le cabinet, est-ce que vraiment concernera le service qui sera réalisé à l'exportation. C'est un peu difficile, mais en matière TVA, c'est automatique, de droit. Donc, il n'y a pas de formalité, il n'y a pas de problème, mais l'IS, c'est un peu difficile. Il faut un contrat, il faut beaucoup de choses à prévoir pour justifier qu'il y ait vraiment le service, l'étude est faite pour un produit qui sera réalisé à l'exportation. Merci beaucoup, Maître. Parce que la loi parle surtout de produits et non pas de services, de produits destinés à l'exportation. Voilà les conditions prévues par l'article 7 en faveur pour l'IS ou l'IR. Donc, il exige que le produit, on parle du produit et non pas du service, qui doit être affecté à l'exportation. Mais TVA, il n'y a pas de problème. TVA, c'est automatique de droit. Voilà. Merci infiniment, Maître. Donc, je vais passer rapidement pour veiller à ce qu'il y ait un peu d'équité aux questions posées sur Zoom avant de revenir encore sur Facebook. Je rassure M. Azouzi que ces questions seront transmises à Maître Sharfi. Donc, les questions depuis Zoom. J'ai une question de la part de Mohamed Arjou Ajarmoun. Oui. Une société ayant le statut CFC est une succursale installée dans la zone offshoring. Comment peut-on traiter fiscalement son chiffre d'affaires? Pour moi, une société qui vend à l'intérieur du territoire national, même implantée dans CFC, c'est un chiffre d'affaires local. À mon avis, c'est un chiffre d'affaires local qui est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire au taux du barème 10 à 31%. Donc, il n'y a pas d'export indirect prévu pour les CFC qui vendent à l'intérieur. Par contre, lorsqu'ils vendent à l'exportation, automatiquement, ils bénéficient de l'exonération ou du taux de Louis 75. Pour les sociétés qui auront le statut de CFC à compter du 2021, 1er janvier 2021, ou les sociétés qui avaient le statut avant le 1er janvier 2021 et qui ont opté pour le nouveau régime, là, on peut bénéficier de l'exonération ou de taux réduit de 15% du fait qu'il est applicable à l'ensemble des chiffres d'affaires réalisé aussi bien localement qu'à l'exportation. Je pense que c'est bien clair. Alors, nous avons une autre question de Monsieur Amer Sharkawi. Est-ce qu'il y a des spécifications dans les produits de cession au niveau de la TVA par des sociétés installées sur la zone franche ou vente des immobilisations de l'entreprise amortissable ou en cours d'amortissement? Est-ce qu'il y a des spécifications dans les produits de cession au niveau de la TVA par des sociétés installées dans la zone franche, vente des immobilisations de l'entreprise amortissable ou en cours d'amortissement? Après,
les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle, c'était considéré comme un territoire hors champ avant 2017. Avant 2017, c'était les entreprises étaient considérées comme s'ils étaient hors champ. Voilà que la loi de finances 2017 a modifié et elle a institué l'exonération avec droit à déduction pour pouvoir transférer le droit à déduction et le remboursement aux entreprises qui vendent à ces entreprises implantées dans la zone. Pour les produits de cession de biens meubles ou immeubles, à mon avis, c'est le régime de droit commun, du fait que la loi ne prévoit pas de dérogation. Je ne suis pas au courant. Normalement, j'ai aucune société qui se trouve dans la zone, mais à mon avis, c'est le régime de droit commun qui est applicable. Normalement, ça n'a rien à voir avec l'export parce que l'exonération parle de produits livrés, etc., à l'exportation. Mais disons, pour moi, c'est une question, je ne peux pas répondre, mais apparemment, il est soumis au régime de droit commun. Seulement, le problème, c'est que ces entreprises ne souscrivent pas de déclaration. Comment ils vont régulariser ou facturer la TVA sur les produits de cession de ces biens meubles ou immeubles alors qu'ils ne sont pas soumis à la TVA? Par contre, la TVA, lorsqu'ils vendent localement sans le régime suspensif, automatiquement, ils régularisent auprès de la douane. Mais au niveau des biens meubles et immeubles, je pense que le régime de droit commun, mais je ne sais pas les formalités. Je ne sais pas comment ils font ces entreprises, franchement. Merci beaucoup. On passe à la question suivante, si vous le permettez. Alors, est-ce qu'on peut considérer les ventes faites entre deux sociétés installées dans deux zones dans deux zones différentes comme étant une opération d'exportation? On parle de des entreprises. Oui, il y avait. Je ne me rappelle pas de la loi de finances, je crois, 2011, où il avait prévu des opérations effectuées entre les différentes zones, c'est-à-dire soit à l'intérieur de la zone et ils font des opérations entre elles, soit entre une zone, par exemple, de Tanger et la zone de Nador ou de Kénitra. La loi prévoit l'exonération en matière de TVA et en matière d'impôts sur les sociétés. Toutefois, la loi de finances 2020 a gardé le silence pour ces opérations entre les zones d'accélération industrielle. Pourquoi il a gardé le silence? Du fait qu'on ne parle plus d'export. On ne parle plus d'export, on ne parle plus de régime suspensif, etc. Donc, il a gardé le silence. Donc, à partir de 2021, c'est le régime de droit commun total. Ça veut dire 15% pour l'ensemble des opérations réalisées, l'exonération, ou 15% pour l'ensemble des opérations réalisées, aussi bien entre les sociétés installées à l'intérieur de la zone ou entre les différentes zones de franche et même entre les sociétés hors zone franche. Donc, ils bénéficient des mesures d'encouragement pour les opérations réalisées soit entre les sociétés à l'intérieur de la zone ou en dehors des zones. Merci beaucoup. Alors, on en prend encore une depuis Zoom et on repasse à Facebook. Est-ce que toutes les charges patronales sont intégrées dans la base imposable de salaire versée aux salariés qui travaillent pour le compte d'une société ayant le statut CFC? La question est de Mohamed Ajarman. Est-ce que toutes les charges patronales sont intégrées dans la base imposable de salaire versée aux salariés qui travaillent pour le compte d'une société ayant le statut CFC? Non, la loi prévoit l'exonération des charges patronales, aussi bien pour le régime de droit commun que le régime dérogatoire de 20%. Donc, on prend le montant brut du salaire, c'est-à-dire le salaire brut de base, auquel s'ajoute l'ancienneté, auquel s'ajoute toutes les indemnités imposables. Et ce montant brut, on applique directement les 20%. Il n'y a pas d'ajout de charges patronales, à moins qu'ils sont prises en charge par s'ils sont mises à la charge de la salariée, ça, on ne peut pas le dire.
Par contre, lorsqu'il y a des charges qui incombent aux salariés, telles que l'IR ou la part salariale CNSS ou la part patronale, part salariale AMO, lorsqu'on les prend en charge, lorsqu'ils sont pris en charge par l'employeur, dans ce cas-là, il faut les intégrer au montant imposable. Mais la loi prévoit le montant directement brut appliqué, on applique le taux de 20%. Ou, bien sûr, le taux du barème après avoir déduit les déductions prévues par l'article 50, les exonérations prévues par l'article 57, les déductions prévues par l'article 59, et on applique le taux du barème avec la possibilité, bien sûr, de bénéficier de déductions charges famille, etc. Donc, finalement, les charges patronales, la loi prévoit leur exonération, quel que soit le régime. Merci beaucoup, maître. Alors, juste une petite précision, parce que je crois que je vais me permettre de répondre à une question. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui les zones d'accélération industrielle et les zones franches d'exportation qu'on appelait il y a quelques années de cela. C'est la même chose. Le code, la loi 4306, telle que modifiée et complétée, c'est-à-dire le Code général des impôts, a déjà anticipé la loi spécifique aux zones franches. Le Code a modifié l'appellation. Dans tout le Code général, on trouve généralement la zone d'accélération au lieu de zone franche. Mais il paraît que la loi sur les zones franches est en cours de modification et, bien sûr, tous les décrets, etc., seront modifiés. Donc, c'est une petite appellation. Pourquoi on a modifié la dénomination? Parce qu'à partir de 2021, on ne parle plus d'export. On parle de l'industrie, de l'industrie, du secteur industriel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le secteur tertiaire, c'est-à-dire le service, les prestataires de services, mais l'appellation est devenue, on parle de l'industrie et non pas de l'export. C'est pour ça que l'appellation a été modifiée. Mais il n'y a pas de modification au niveau fiscal, il n'y a pas de modification. Mais la loi sur les zones franches est en cours de modification, peut-être elle est entre les mains du secrétariat du gouvernement, je ne sais pas où il est arrivé, mais il est en cours de modification. Merci beaucoup, M. Charfé. M. Chams Saïd, vous avez votre réponse. Donc, je passe très rapidement aux questions de M. Zouzi Mohamed. Alors, une première question. Comment faire le suivi de la marchandise à sortir de territoires assujettis, c'est-à-dire la circulation des marchandises entre la dite ou les dites zones d'accélération industrielle et zones franches d'exportation, et avec le territoire assujetti? Et quels sont les responsables à ce point? La loi, l'article 7, prévoit l'obligation que le transfert soit effectué sous le régime suspensif, sous le régime suspensif en douane. Le régime suspensif, il est poursuivi de manière stricte par le transitaire ou le déclarant ou le chef d'entreprise en lui-même, parce que le régime suspensif en douane, il y a la douane qui est derrière, c'est-à-dire les droits de douane, la TVA. Donc, il faut faire attention à ce régime. Donc, il faut le suivre de très près, l'apurer. Ce sont des admissions temporaires à peu près. Donc, il faut les apurer, etc. À mon avis, il faut le suivi par un responsable, soit le transitaire, soit le déclarant, pour justifier la sortie du territoire national sous le régime suspensif, parce que lorsqu'on prend la marchandise sous le régime suspensif, on a l'obligation soit de la céder au Maroc sous le régime suspensif, toujours dans le délai de 2 ans, soit de la réexporter. Donc finalement, c'est un régime un peu spécifique, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe quelle cession, quelle vente qui est exonérée au bénéfice du régime des avantages des zones franches. Donc il faut que le régime, le produit soit réexporté. Donc il faut qu'il y ait le régime, l'application du régime suspensif en droit.
Je suis en train de lire et de relire une question. Alors, monsieur Azouzi, si vous voulez bien reformuler la question, votre deuxième question, s'il vous plaît. Moi, je vais passer directement à la troisième. Alors, monsieur Azouzi dit, la loi de finances numéro 70-19 pour l'année budgétaire 2020 stipule la nouvelle appellation de la zone franche d'exportation par la zone d'accélération industrielle. Est-ce que la zone franche de commerce d'Agadir Sousmessa, convention entre le Royaume du Maroc et les nations. Les Émirats arabes unis est soumise au régime de faveur de la zone d'accélération industrielle ou zone franche, régie par la loi 1994. La zone franche d'exportation ou d'accélération industrielle de Sousse Massa est toujours en cours de réalisation. Donc, bien sûr, les agréments qui ont été octroyés avant le 1er janvier 2020 continuent de bénéficier, avant 2021, pardon, vont bénéficier des mesures d'encouragement prévues pour les zones franches d'exportation qui se trouvent sur le territoire national. Il n'y a pas de distinction entre Tanger et Agadir, donc c'est le régime de faveur qui est applicable. Si, par contre, les sociétés qui vont s'implanter dans le Sousse-Massa, qui vont avoir le label CFC avant 2000, pardon, qui vont s'implanter à compter de 2021, ben c'est le nouveau régime qui sera applicable, aussi bien pour matière d'IS qu'en matière d'IR. Non, il n'y a pas de distinction entre les deux zones franches ou donc, la zone franche Massa, la zone franche Tanger, Kénitra, Nador, etc. Alors, une autre question, et là, je crois que je prendrai la dernière question de M. Zouzi. Je crois que la question 4 et 5 sont hors sujet. Monsieur Azouzi, pour vous dire, c'est un spécialiste des zones franches d'exportation. D'accord. C'est mon élève. Et spécialiste dans les zones d'accélération industrielle. Normalement, c'est à lui de répondre à ces questions. C'est à lui de répondre à ces questions. Dans ce cas, je vous poserai ces questions. Alors, la question numéro 4 dit, pourquoi le Royaume du Maroc est soumis à une obligation de déclaration des données de macroéconomique à l'organisation internationale, l'OCDE? Voilà, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Je me permets de poser la deuxième question qui est aussi... Non? Alors, quelles sont les perspectives du Royaume du Maroc pour améliorer l'état des espaces industriels et l'indicateur de l'IDE ou l'IDI? Alors... وقطع علينا السي الشرفي كنقولوا له زعما يسولنا غير داكشي اللي داخل في الله. الوغ On a raté 5 minutes. Donc, on prend vraiment les deux dernières questions. Voilà. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. L'intervention, le support, j'ai parcouru toute la fiscalité. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de questions d'ordre fiscal, parce que j'ai parcouru, j'ai clarifié toutes les questions fiscales. Donc, en principe, tout est clair. Sauf s'il y a encore. Oui. Alors, il y a une question de M. Lewissi Mohamed. Est-ce que les prestations fournies aux zones d'accélération industrielle sont-elles soumises à la retenue à la source en matière d'IS de 10% et auto-liquidation de TVA? Non, non, non. Non, non, non. Les prestations des services rendus par les entreprises implantées hors zone franche, ce sont des exportations. Ce sont des revenus générés à l'intérieur du territoire marocain qui sont assimilés à des exportations et ils bénéficient des exonérations ou de taux réduits à l'instar de ce qui est prévu pour l'export direct. La loi de finances 2017 avait institué
l'exonération et l'imposition au taux réduit pour les services rendus à ces zones, à ces entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle. Et là, je vous ai déjà dit qu'il faut justifier par la facturation et l'encaissement en devise. En matière de TVA, c'est automatique. Il n'y a ni retenue à la source, ni TVA sur les produits versés à des non-résidents. Les sociétés implantées dans les zones, ce sont des sociétés marocaines de droit marocain. Donc, il n'y a pas de revenus versés à un non-résident. Non, ce sont des entreprises résidentes au Maroc qui bénéficient des avantages spécifiques au secteur zone franche d'accélération. Mais pas, ce n'est pas un revenu versé à un non-résident. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour vous. Pourriez-vous clarifier un peu le régime de l'exportation indirecte, l'exportateur indirect? Oui. Alors, le régime d'export indirect, en matière de TVA d'abord, il n'y a pas d'export indirect. Sauf que la loi a spécifié, a prévu l'exonération automatique de droit à des opérations réalisées sur le territoire national avec les entreprises implantées dans les zones d'accélération indirecte. Donc, on peut dire, dans les zones d'accélération industrielle. On peut dire que c'est un export indirect, si vous voulez, mais la loi n'a pas prévu d'export indirect. C'est une opération qui est exonérée en vertu de l'article 92, grand 1, 36e. Donc, cette opération est exonérée sans formalité, sauf que il faut la facturation et l'encaissement lorsqu'il s'agit d'un service. Quant au produit, automatiquement, il y a la douane, il y a les formalités douanières. Quant à l'IS ou à l'IR professionnel, la loi de finances 2017 avait institué la notion d'export indirect. Et elle avait institué deux exports indirects. Le premier export indirect, lorsqu'il y a des entreprises implantées sur le territoire national, hors zone franche, qui vendent des produits ou des services à des entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle, ces entreprises bénéficient des mesures prévues pour l'export direct, c'est-à-dire l'exonération suivie de l'imposition permanente, soit au taux de 10 et 17,50 avant 2021 ou 10 et 20 à compter de 2021. Pour l'IR, donc automatiquement, ils ont le taux de 20% non libératoire. Quant au deuxième type d'export indirect qui est abrogé par la loi de finances 2020, le deuxième export indirect est abrogé par la loi de finances 2020. C'est quoi cet export indirect? C'est que les entreprises qui se trouvent à l'intérieur de la zone franche d'exportation ou zone d'accélération industrielle, lorsqu'ils vont vendre sur le territoire assujetti, c'est-à-dire le reste du territoire marocain hors zone. Cet export indirect était éligible avant, en 2017, en 2018, à l'export indirect, ça veut dire les entreprises implantées dans la zone bénéficient des mesures prévues pour l'export direct. Toutefois, la loi de finances 2020 a abrogé ce régime d'export indirect du fait qu'on ne parle plus d'export. C'est pour ça qu'on a abrogé ce régime et je crois que ce régime est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, bien que la date d'application est prévue pour 2021, je crois pour l'export indirect, du moment que la loi a abrogé l'article 7 relatif à l'export indirect pour les entreprises qui se trouvent dans le territoire, dans les zones d'accélération, lorsqu'ils vont céder des produits à des entreprises implantées sur le territoire, je crois que c'est le régime de droit commun qui est applicable. Par contre, à compter de 2021, il y aura soit l'exonération pour les sociétés qui sont toujours en cours d'exonération quinquennale, soit du taux réduit de 15% et en matière d'IR, 20%. Donc, finalement, la loi de finances 2020 a maintenu la notion d'export indirect pour les entreprises qui se trouvent sur le territoire assujetti, hors zone franche. Donc, il l'a assimilé à un export indirect
qui est à l'instar de ces, les avantages prévus par l'export direct sont applicables à cet export indirect. Quant à l'export indirect des sociétés, des entreprises installées dans la zone, la loi de finances 2020 a abrogé ce régime d'export indirect. Merci beaucoup, Maître Sharfi. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie pour votre implication, vos contributions. Hein, et essentiellement pour vos contributions pour les jeudis des experts. On va vous laisser vous reposer un petit peu avant de reprendre la conférence suivante. Merci beaucoup, merci pour tout. Et on vous donne rendez-vous peut-être jeudi prochain, Inch'Allah. Makan Srawch Bik. J'espère que Inch'Allah, notre patron, notre cher ami, qui ne cesse de travailler jour et nuit pour nous réunir. Où, subhanallah, radim, tous les webinaires, toutes les réunions se passent à merveille et sont très bénéfiques, très avantageuses. Et nous profitons de cette période de confinement pour nous former, nous informer et ne pas perdre de temps. Haqiqa Sidris Walit yakhod al-ajr wa qila akthar minna o ma nsawch kaع l'équipe dialo tbarak Allah taw ma ilvay taw ma travay taw ma jour et nuit lana ana tlahad Sidris il ne cesse pas de travailler tbarak Allah alayh o ntlbou Allah yhafdhonna w yirfa alina had lwaba f had chahr karim w ntmennaw ntlaqaw apres le confinement, inchallah. Inchallah. Ça va dire n'attendre plus, d'ailleurs, va dire qu'on jouera le moral bien, ou le prévoir d'un an, on va dire n'attendre un peu plus. Je m'excuse, donc je vous retrouverai, inchallah, jeudi prochain, éventuellement. Je vais réfléchir sur le thème, on va toujours continuer, inchallah, le secteur pas d'exportation cette fois-ci, mais des avantages prévus par le Code général des impôts dans d'autres secteurs d'activité. Merci de votre attention. Inch'Allah. En tous les cas, moi, je l'invite tout de suite. Sidris Dref. Merci, Ashraf. Bon, ce n'était pas prévu d'intervenir, mais ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup, Sichorfé, pour ce que vous venez de dire. C'est à moi, d'ailleurs, qui vous remercie. Merci, qui tient à remercier tous les intervenants et tous les participants, aussi toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces webinaires de différentes thématiques avec les différents experts marocains et même étrangers. Un grand merci aussi encore une fois à ces chauffeurs. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours. Vous répondez présent à chaque fois qu'on vous sollicite. Vous êtes là. Merci encore une fois. Et aussi, je tiens à remercier tous les participants qui contribuent à la réussite de ce webinaire au sein des clubs de dirigeants. Et mon message à vous tous, c'est d'être solidaires dans ce moment difficile, dans ces circonstances actuelles. Et restons solidaires. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Merci. Merci beaucoup, Sidris Dref, président du club des dirigeants. Merci beaucoup, Maître Sharfi, pour tout ce que vous faites pour le club. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début et qui deviennent des habitués des jeudis des experts. Pour mon compte, je vous donne rendez-vous cet après-midi avec un autre expert d'un autre domaine. On aura l'occasion de recevoir M. Sefdil Gharbawi qui va nous parler d'une thématique en liaison avec le leadership et va nous dévoiler les secrets du fonceur. Donc, je vous donne rendez-vous à 14h. Merci beaucoup, Maître Sharfi, d'avoir été là. Merci pour tout et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Passez le bonjour au papa. Bien sûr.
sais pas. Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt, Inch'Allah. Merci.